Ancien premier ministre Claude Joseph ak 12 chef gang interdit pour pas entrer la caille voisin qui doit casser demain dans décret présidentiel Luis Abinadel brandi article 15 la loi 285-04 pour justifier décision ça article ça bail président droit pour interdire entrer dans pays yo tout monde estimé qui représentait une menace pour Saint-Domingue. Pour ancien premier ministre Claude Joseph décision ça c'est un honneur ou lion sanction moins interdit à la République dominicaine à cause m'a défendre pays d'Haïti parce qu'il me dénonçait projet dirigeant dominicain qui voulait faire Haïti dépôt de République dominicaine. Gros escombrit a pété hier jeudi dans Kafoutifou dans moment yon pompe tabay gaz. Chauffeur moto a dénoncé un policier Udmo yo dit qu'il a tiré deux jeunes garçons qui étaient venus faire gaz. Protestataires pour protester mettez difé dans pompe là pendant dénoncé gouvernement Ariel Henry yon dit qu'il pas jamais résoudre problème gaz là qui existait depuis quelques mois. En pile voix continuer lever pour dénoncer agissement la police dans dernière manifestation 7 septembre passé, hein? C'est cas Jean-Charles Moïse qui a annoncé le pral pote plainte contre tout policier Bouoyo. C'est candidat pour poste président dans la dernière élection a encouragé peuple haïtien continuer monter barricade au Piwo pour continuer mobiliser. Secteur démocratique populaire allongé doit les toute longueur sous responsable Simoa Vladimir Chérubin qui a dit qu'il est complice dans matraqué manifestant yo. Daryl Balthazar a mandé des CPJ avec inspection générale pour enquêter tout sous plusieurs bacop BLTS qui tirait sur manifestant yo. Dans plusieurs villes provinces. Nous, pape complice, croyez, direction générale police avec inspection générale, doit prendre mes y pressé contre tout policier complice. Ricardo Fleuridor, mandé organisation droit mounio pour prendre position dans dossier ça. Petro Challenge encourage peuple haïtien continuer lever camper contre équipe en place. Nan. Prisonnier continue à mourir dans prison civile à cause mal cité, mal nourri, mal prend soin santé yo. Dernier cas, c'est deux prisonniers qui fait qu'elle sont mourir grave dans prison Tigouave. Yon te volé poule là lui-même te volé fil courant. Situation ça inquiété collectif avocat Cap défendre droit mounio qui mandé l'état virer regarder prison yo. Alphabétisation et éducation non formel engagement l'État qui a tout secteur en d'un pays. C'est sous thème ça, ministère éducation nationale à la secrétaire d'État alphabétisation, célébré hier jeudi à journée internationale alphabétisation. Ministre éducation nationale qui s'est Nespi Maniga, a profité installer commission interinstitutionnelle éducation non formelle. La principale mission commission ça, c'est de travailler sur éducation non formelle. Dans l'idée pour faire proposition cap et de régulariser secteur ça d'après Nespi Maniga. Secrétaire d'État alphabétisation, qui c'est Sandra Georges, dans le discours de circonstance, dit qu'il est conscient qu'il y a un pile effort qui était pour faire pour alphabétisation en vie, une réalité. Tout bon vrai, alphabétisation, c'est un droit qui permet à tout le monde de jouer une éducation sans force côté parce qu'elle joue un rôle important, surtout dans éliminer pauvreté et pas bon ici. 11 septembre, Kavinila, pral fait 34 l'année depuis un groupe individuité fait massacre dans l'église Saint-Jean Bosco. Pour marquer date ça, coordination Formula Valas dans Cité Soleil annoncé à profiter date ça pour continuer demander justice et puis départ Ariel Henry. Important pour capable gagner détails son ensemble information ça yo qui fait essentiel qui domine l'actualité à la Kaino en Haïti mais d'après ça qui dit dans journal ça l'entrance information ça que nous pral pouté et banouan Jean Tédilan, gagné premier ministre, ancien premier ministre Claude Joseph, qui soulise à tout ensemble bandits dans le pays d'Haïti, qui interdit, qui pas capable d'entrer la caille voisine à parler de Saint-Domingue. Son décision, mais président actuel Saint-Domingue, non, Luis Abinadel lui-même l'y prend. Pas décret présidentiel, dans la date qui était 7 septembre 2022, ancien ministre Affaires étrangères sous pouvoir Ariel Henry et ancien premier ministre sous présidence Jovenel Moïse, Claude Joseph, ensemble avec 12 chefs gang dans le pays, yo pagé autorisation pour que yo allé sous sol dominicain. Selon information qui est relayée par le journal dominicain Listen Diario. Mais n'a dit ça qui paraît comme dernière information, ça a rapporté que président dominicain Luis Abinadel, il fait état article, il parlait de article 15 loi 285-04 sous affaire migration et règlement application pour justifier décision ça selon
journaliste Nzirayo, article en question qui c'est article 15 loi 285-04 l'an li permet avec un président en fonction pour empêcher que moun rentre sous territoire national ces domaines quel que soit étranger que lié si étranger ça lui-même ni gon casier judiciaire si son monde comme si qui gagne problème avec la justice ou bien si gon avis autorité compétente yo capable mais mettez ça dans les mesi interdiction ben mesi pour pas rentrer la caillou selon ça il dit et si moun sa tout lui-même il représentait une menace pour pays yo on a parlé que ancien locataire primatulant Claude Joseph l'a prendre nouvelle ça que non sur même liste avec 12 bandits présumés bandits ça choqué Claude Joseph et monsieur réagit rapide mais suite avec nouvelle ça Claude Joseph lui-même réagit sur contre de lui pour le dire li kon wil tande que li interdit pour que le pas entrer la caille voisin mais li clair jodi a décision ça vini parce que l'a défendre Haïti l'a défendre haïtien nou yo parce que l'a mené une bataille anti haïtianisme primaire côté que dominicain a mené bataille ça contre haïtien et jodi a selon lui même Claude Joseph il fait connait ces domaines c'est pays qui jodi a la gros comportement anti raciste contre haïtien c'est bataille ça qui cause que jodi a et on prend décision ça elle recevoir mezi ça mezi pour pas entrer étage et c'est de maintenant non non papa de Saline Toussaint Louverti Henri Christophe il fait qu'on est la continuer bataille jusqu'à ce que question politique de pays capable river respecter en bonne et due forme bon venir avec liste on dit quelques dans 12 présumés bandits ça yo ensemble avec Claude Joseph qui pas gain droit entrer la caille voisin ou joine Claudie Célestin alias Chien Méchant qui a dirigé Carrefour Chada qui dans Tabar ou joine Alexandre Ezekiel alias Z qui a dirigé Bas Pilate qui monsieur en prison mais Bas Pilate c'est zone 1er 2e 3e avenue Bolos Kempes Sanon monsieur qui a dirigé on parti dans Bel Air Chéri Chris Roy alias Chris La qui a dirigé Fontamara nous connait ça dans Tibois Félix Monel alias Mikano chef Wav Jérémy, Jean-Pierre Gabriel, alias Ti Gabriel, c'est monsieur qui leader GPEP et chef Cité Soleil, une en chef yo. Alexis Serge Renel, alias Ti Junior, chef dans la Saline. Orly Chen Emile, alias Pelle Brin, chef dans Badelma. Jimmy Cherizier, dit Barbecue, leader G9. Innocent Vitellum, chef dans Peigny Torsel. Lamont Sanjou, quoi des bouquets, et puis on mettait Claude Joseph parmi Moun Silayo. C'est ça? Parmi 12 moun ou tande la yo bandi présumé bandi à Claude Joseph qui gen mezi interdiction pour baka rentrer la caille voisin. Jean te di lan te gen gros mouvement protestation nan Carrefour Tifou a hier jeudi à un moment yon pompe tap bay gaz chauffeur moto yo akize un policier Udmo qui tire deux citoyens qui te vin faire gaz en bas yon pompe pour protester chauffeur moto yo mette di fe nan pompe lan après intervention la police di fe sa te rive eten. Gen leader petit de Saline Jean-Charles Moïse qui dénonce comportement la police face à manifestation qui t'a réalisé dans pays nan date qui te 7 septembre passé là. Selon Jean-Charles Moïse di fe on est journaliste victime, manifestant victime. Dans ce sens, un sénateur a annoncé qu'il allait porter plainte pour les policiers qui commettent des actes sous citoyens manifestants et journalistes. Il dit qu'il a manifesté pacifiquement. Un candidat pour poste président dans la dernière élection encouragé pour la haïtienne pour continuer à monter barricade des 17 hôtels selon Jean-Charles Moïse, surtout pour jeudi vendredi qui c'est exactement 9 septembre dans différentes zones dans Port-au-Prince, dans le route aéroport d'Elma pour citer ça seulement. Un sénateur a expliqué chef gouvernement pas responsable, il a clairement on l'a rencontré avec un série investisseur dans pays États-Unis. Jean-Charles Moïse encouragé population à rester mobilisée jusqu'à ce que rejoigne départ premier ministre Ariel Henry n'en pris Mati. Yon l'autre bord, Jean-Charles Moïse a critiqué comportement responsable Bok Yo qui jusqu'à présent pas jamais pris aucune décision pour résoudre un problème de la dans le pays. Jean-Charles Moïse a profité occasion pour exiger gros entreprises qui ont monté commande une série de produits alimentaires à l'étranger pour des simples prix produits sa pressé sur tout territoire national. Toutefois, les menaces continuent à mobiliser tout autant responsable qui n'ont pas pris en responsabilité pour encourager les citoyens pour ne pas attaquer les gens qui sont dans la classe moyenne, même Jacques, selon Jean-Charles Moïse.
Secteur démocratique a populaire branche général Castillan félicité pour population lui-même qui lui dit qu'il était prend la rue pour protester contre pouvoir Ariel Henry. Ancien parlementaire Nenel Kassim dit souhaiter tout acteur qui sous béton kembe mouyo pour pas al cohabiter al mettre ensemble avec Ariel Henry. L'idée SDP a minimisé délai 14 octobre communauté internationale l'avoué par chef gouvernement ancien sénateur a fait appel à tout secteur dans classe politique là pour joindre un autre accord pressé. Parole Nenel Kassi. Jeune dien là, plus passé de blessé par balle parmi les journalistes dans Radio Télé Zénith. C'est bilan dans un petit tour dans Cap Haïtien. C'est bilan SDP pour une manifestation 7 septembre passé. Secteur démocratique a populaire accusé deux commissaires policiers dans l'Ouest parmi les responsables 6 mois qui à la base tout mauvais comportement sa yo. SDP mandé inspection générale.